Sans vouloir être trop lyrique, je dirais qu'il s'agit d'un voyage au long cours en matière de transformation des pratiques managériales. Et peut-être plus simplement, une véritable aventure pédagogique immersive. L'aventure a démarré en fait en 2018 et nous avons depuis accompagné plus de 500 de nos senior managers en 3 vagues successives. Elle a été conçue en soutien à une profonde transformation stratégique du groupe sur 3 piliers: leadership business et client, leadership technologique et de contenu, et leadership managérial. Et en fait, nous avions 3 enjeux. Le premier, c'est d'harmoniser la culture de management entre les entités dans un groupe historiquement très décentralisé. Deuxième, c'était de chercher à renouveler les pratiques vers un management qu'on pourrait qualifier de 3.0, c'est-à-dire avec plus de transversalité, de coopération, de développement du capital humain, et d'agilité dans un monde complexe. Et enfin, attirer, fidéliser, faire grandir les talents sur un marché extrêmement concurrentiel. La séquence pédagogique a été développée avec notre partenaire EM Lyon Executive Education et articulée en 3 temps. Comment être un interactive leader, comment être un innovative leader et comment être un inspiring leader pour les autres. Et au final, il s'agit plus d'un programme de transformation que de formation classique, car véritablement tourné vers l'impact et la mise en pratique, on a appelé des actions pratiques, qui est très centré sur l'expérience des participants et sur la co-construction, avec notamment ce qu'on a aussi développé, qui sont les actions collectives expérimentales. Alors en matière d'impact, ce programme, il a eu, et il a toujours d'ailleurs, parce qu'il n'est pas terminé, un fort impact, à la fois collectif et individuel. Sur le business tout d'abord, et c'est souvent difficile de se dire quel est l'impact d'un programme de formation sur le business, et de corréler ces éléments-là. En fait, bon nombre de participants témoignent aujourd'hui du fait que ce programme a permis d'accroître la puissance commerciale du groupe. Pourquoi ? En fait, en élargissant leur réseau, leur propre réseau, en apprenant à connaître des collègues d'autres métiers, en renforçant la confiance réciproque, le jeu collectif des participants, lors des appels d'offres, dans la réalisation des projets, tout ça, ça a été renforcé. Deuxièmement, sur l'évolution de carrière des participants eux-mêmes. Pas loin de 30%, 28% très exactement, des managers ont été promus ou ont changé de rôle dans les 6 à 12 mois qui ont suivi, ce qui est tout de même significatif. Et puis, ce programme, il a été par ailleurs clairement contributif de l'évolution positive de paramètres qui sont importants pour la performance. Alors, les facteurs clés de réussite, c'est une question compliquée parce qu'il y en a beaucoup. D'abord, le point principal, je pense, à le souligner, c'est que l'approche, elle a été conçue au départ comme étant réellement au service de la stratégie du groupe. Et de manière à faire quoi ? À faire en sorte qu'on ait un programme de formation-transformation auquel on puisse rallier tous les étages de l'organisation, à commencer par la direction générale, qui d'ailleurs, depuis le début, est véritablement sponsor. Ensuite, une réflexion approfondie, partagée, alignée sur ce que doit être le leadership 3.0 au service de notre performance. Et là, c'est fondamental aussi d'être bien aligné, d'être conceptuellement, collectivement au clair sur ce que doit être le thème central ou les thèmes centraux du dispositif. Pourquoi ? Pour pouvoir communiquer de façon précise, d'être ambitieux, de donner envie et donner une cohérence à l'ensemble. La pédagogie est aussi un facteur clé de succès. La pédagogie immersive dont j'ai parlé, en fait, avec toutes ses composantes, les axes pédagogiques, les principes qui sous-tendent tout ça, les solutions qu'on a mises en place, les innovations de blended learning, tout ça, concourt à donner aux participants une expérience vraiment mémorable. Voilà, c'est un temps fort dans leur vie, dans leur carrière, et une expérience qui soit rapidement utilisable sur le terrain et profondément transformatrice. Mais je ne peux pas non plus oublier dans ces facteurs de succès l'équipe projet, le COPIL,
le comité de pilotage qui a été réellement impliqué, cette équipe est restée au plus près de ce que vivent les participants. Je ne vais pas oublier, parce que c'est un élément important et voire clé, l'équipe de traîneurs qui a été une vraie équipe commando, très senior, très alignée entre eux, avec la vision qu'on a cherché à développer, et qui du coup a propagé, enfin a véhiculé cet esprit dans lequel on voulait être. Et puis un facteur clé de succès aussi, ça a été l'agilité, parce qu'on a fait évoluer ce programme au cours du temps, bien sûr à cause du Covid, hein, parce qu'il a fallu à un moment donné passer entièrement en mode distanciel, ce qui était un énorme challenge, mais aussi pour impulser d'une promotion à l'autre des changements que l'on souhaitait mettre en place, tout simplement pour ne pas s'endormir sur le succès. Et je terminerai par un élément qui, moi, m'a marqué en termes d'enseignement. C'est un espèce de principe actif très puissant qu'on appelle entre nous « tout le monde bouge ». Tout le monde bouge dans ce programme. Toutes les personnes qui ont été impliquées dans le projet sont également sur ce chemin. Les traîneurs, les DRH, le DG, l'équipe projet, tout le monde a accepté d'être ouvert au changement, le sien, individuellement et collectivement. Et c'est ce qui a fait aussi, alors bon, on a appris en marchant, il y a eu plein de surprises, mais ce qui a donné un caractère d'authenticité extrêmement fort, ressenti comme tel par les participants, et du coup, fait qu'ils se sentent encore plus motivés à continuer à se développer, à apprendre, à changer leur pratique.